sky where an elephant's eye was looking at me from a bubblegum tree. And all that I knew was the hole in my shoe, which was letting in water. Just wasn't real, with 100 tin soldiers which stood at my shoulder. And all that I knew was the hole in my shoe, which was letting in water. À 1. Salut Marie, ça va? Ah tiens Jérôme, oui ça va très bien et toi? Oh ça va, tu sais je viens de rentrer de vacances alors, que veux-tu? Eh oui, je comprends, moi c'est pareil, on est rentré il y a 3 jours. On a passé 3 semaines en Corse. Ah bon? En famille ou avec des amis? Avec des amis de la fac, c'était vraiment génial. On faisait du canoë-kayak et on campait le long de la rivière, dans un endroit différent chaque nuit. C'était vraiment l'aventure. On était loin de tout et le paysage était très sauvage, très beau. Et tout le monde s'est bien entendu, ensemble? Oui, la plupart du temps, ça allait. Le seul problème qu'on a eu, en fait, c'est qu'un des garçons supportait très mal la chaleur. Plusieurs fois, on a dû arrêter la descente pendant 1 ou 2 heures pour qu'il s'allonge à l'ombre. À part ça, c'était vraiment sans problème, impeccable. Et toi, tu rentres d'où, là? De Londres. Tu ne te souviens pas? J'ai gagné un concours l'année dernière. J'ai créé une publicité pour Eurotunnel, et le premier prix, c'était une semaine pour 2 à Londres. Mais j'avais complètement oublié. Quelle chance! Et qui est-ce que tu as amené avec toi? Écoute, ça a été tout un cinéma à la maison, avec mon frère et ma sœur, qui semblaient penser qu'ils avaient automatiquement le droit de m'accompagner. Mais j'ai choisi d'y aller avec Julie, ma copine. Et j'ai bien fait. On a passé une semaine extra, là-bas. Du 5 au 12 août. On y est allé par le tunnel sous la Manche, bien sûr. Est-ce que vous connaissiez déjà Londres? Moi, un peu. J'y avais passé 2 semaines quand j'avais 9 ans. Mais Julie ne connaissait pas du tout l'Angleterre. Maintenant, en revanche, elle ne parle que de rentrer pour étudier la langue. Elle a beaucoup aimé Londres et la langue anglaise. Tout était organisé pour nous. Et on nous a fait visiter tous les sites touristiques. On a même visité l'intérieur de Buckingham Palace. Ce qui nous a vraiment impressionnés, c'était les musées et les boutiques de vêtements chics d'occasion. La seule chose qu'on n'a pas vraiment aimée, c'était la nourriture, qu'on a trouvée un peu grasse. 2. Je m'appelle Nicolas. Moi, j'ai passé 3 semaines à Antibes, sur la Côte d'Azur, avec ma petite sœur et mes parents. C'était pas mal, mais j'ai 17 ans. On reste dans la même maison et au même endroit depuis bientôt 10 ans. Et franchement, je commence à en avoir ras-le-bol. J'ai envie de faire quelque chose de différent, de partir avec mes propres copains pour une fois. Mais mes parents, ils ne comprennent pas. C'est dingue. Ils semblent croire que je devrais toujours venir à Antibes pour passer des vacances en famille. Pour eux, c'est une tradition familiale annuelle. 3. Moi, c'est Françoise. J'ai passé 1 mois chez ma correspondante en Irlande. Ça s'est très bien passé. Ma correspondante s'appelle Fiona et elle habite dans l'ouest du pays, à Ennis. C'est une ville très animée. J'ai beaucoup aimé.
Fiona a 5 frères et sœurs. Alors, chez eux, il y a toujours du bruit, toujours du monde. Comme je suis enfant unique, j'ai trouvé ça un peu dur au début. Mais je m'y suis vite habituée et ça m'a beaucoup manqué quand je suis rentrée chez moi. Ce que j'ai apprécié le plus, là-bas, c'est qu'ils prennent le repas du soir très tôt, vers 6h, 6h30. Au départ, j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais j'ai très vite compris que ça libérait le reste de la soirée. On sortait tous les soirs et il faisait jour jusqu'à 10h30.